Adèle, brille sur le petit écran en réveillant les Français avec sa bonhomie contagieuse dans Télématin, France 2. Lui, a été élu deuxième acteur préféré des Français, selon Paris Match. Julia Vignali et Kade Merad forment un couple de célébrités très apprécié. Pourtant, l'auteur d'Adieu Bordel, Comment gagner du temps, de l'argent et des moments de bonheur, Flammarion, déteste le terme de power couple, comme elle l'a indiqué dans un entretien accordé à Télécable Sat en ce mois de mars. Oh non, c'est affreux. Ça me rappelle les années 1990 avec Benjamin Castaldi et Flavie Flamand. Quelle horreur. Si Julia Vignali a évoqué à de nombreuses reprises sa moitié, elle a assuré à nos confrères que sa carrière n'était pas liée à la popularité de la vedette de Bienvenue chez les Ch'tis. Une affiliation qui a d'ailleurs le don de l'agacer, comme elle l'a indiqué à Télécable Sat, certains doivent se dire que si je suis là, c'est parce que je suis la meuf de Kade Merad. Mais j'avais une carrière avant de le rencontrer. J'ai démarré comme comédienne. J'ai fait de la pub pendant 10 ans. Je gagnais très bien ma vie. Et de conclure, j'espère juste que les gens se disent que si Kade Merad est mariée à moi, c'est que je dois être un peu sympathique. Supérieur à supérieur à photo, découvrez les 10 essentiels beauté et bien-être de Julia Vignali Kade Merad, sa surprenante dédicace à Julia Vignali. Si Julia Vignali a horreur du terme power couple, la pétillante brune de 47 ans est fière de dévoiler aux yeux du monde sa complicité avec Kade Merad. D'ailleurs, les tourtereaux ont été amenés plusieurs fois à cohabiter sur le petit écran, mais aussi à la radio. En effet, l'ancien complice d'Olivier Barou n'a pas manqué de créer la surprise dans le studio d'enregistrement d'Europe 1, mardi 14 février 2023, en accompagnant sa belle avant qu'elle ne commence à animer son émission. Pardon, bonjour, tout le monde, excusez-moi de vous déranger. Bonjour à toute l'équipe, a-t-il annoncé avec malice, interrompant le cours du programme. Et de poursuivre sa prise de parole surprise en faisant une jolie dédicace à son épouse, il faut savoir que ce soir je tourne très tard, jusqu'à minuit, donc la Saint-Valentin, c'est maintenant. J'ai accompagné ma femme jusqu'à son lieu de travail, voilà, pour la Saint-Valentin. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec. Keep it up, I have a reason.